c'est l'entrée en lice dans cette UEFA Ligue des Champions avec ce premier match de groupe. Moment toujours très excitant pour les deux clubs. On va vivre ça ensemble dans un instant. Bonsoir à tous, la nuit est claire et dégagée, les conditions sont optimales pour jouer au foot ce soir. Bienvenue dans ce stade magnifique. Benjamin Da Silva, Omar Da Fonseca, c'est donc avec la team Dada dans les oreilles que vous allez passer les prochaines minutes. On se retrouve donc pour vous faire vivre cette première journée de poule dans cette nouvelle édition de la reine des compétitions, l'UEFA Champions League, Sporting Portugal contre l'Olympique de Marseille. Consistance, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition. Il faut absolument réussir la phase du groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. C'est parti, l'Olympique de Marseille vient de donner le coup d'envoi de ce match. Et c'est pour Jonathan Klaus. Et c'est donc un corner à suivre. C'est bien parti pour ce corner. Voilà, c'est mal dégagé ça. Attention. Et ça joue sur Cengiz Under. C'est toujours un peu difficile de savoir comment va se passer un match, mais on risque pas grand-chose, franchement, en annonçant une grande rencontre de sa part. Sa grande qualité, c'est son aptitude à passer ses adversaires en vitesse. Pas besoin de beaucoup d'espace, juste un petit... Oh oui, la frappe ! Oh, quelle détente, Adam ! Bien frappé ce corner, facile pour le gardien, corner manqué. Paulinho. Ah, le plongeon pour sauver ce ballon. Le corner. Et ça part fort avec ce but d'entrée de jeu. C'est prometteur pour ce match. Et les voilà tout de suite dans le rythme de la rencontre. Le réalisateur qui tient à nous remontrer ce corner. Et c'est vrai qu'il est très bien frappé. À la tombée du ballon, c'est repris de la tête. Ça part au fond de filet. Magnifique. Le jeu reprend après ce but concédé par l'Olympique de Marseille. Ouh là là, la passe est complètement ratée. Victor Bellerin. Voilà, la défense maintenant va pouvoir respirer un peu. Ah, il y a de l'espace pour le Sporting sur le côté. Ah, l'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Ah, il y a un contre possible à jouer là. Paulinho. Ah, la bonne frappe. Mais non, c'est finalement tranquille là pour le gardien. Jordan Verret. Alexis Cyril du ballon. Ah, la défense est battue. Et le face-à-face tourne à l'avantage du gardien. Il met bien son corps en opposition et bouche parfaitement les angles. Ce qui fait que la frappe est bien mordue.
corner qui est bien ajusté. Et oui, c'est le but. Voilà un but pour relancer ce match. Une égalité parfaite maintenant au tableau d'affichage. On revoit ce corner. C'est parfaitement bien frappé, bien négocié. Le ballon redescend bien, mais la défense semble incapable d'intervenir. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond du filet. Et score de parité avec ce but inscrit, un partout. L'attaque n'ira pas plus loin, très bonne lecture du jeu. Et les Marseillais ont du champ sur le côté. C'est joué au premier poteau avec pas mal de possibilités. Et c'est capté, là, sans trop de problèmes. Ballon rendu à l'adversaire. L'OM qui tente de porter le danger. Une d'heure peut-être. Pas bien joué ce centre, c'est pour le gardien. Grosse pression, ballon perdu. Alexis Sanchez. Et attention à cette frappe. Et la bonne parade du gardien. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Oh là là, dégagement complètement loupé. Oh, c'est contré. Et cette tête va directement dans les bras du gardien. Ça manquait de puissance et de conviction. On le voit, la possession est partagée. Il n'y a pas d'équipe qui domine clairement l'autre. C'est assez équilibré. Le ballon va d'un camp à l'autre. Ça permet de donner une rencontre ouverte et très divertissante. La bonne percée, il faut aller provoquer. Ah voilà, il suffit de le dire, et finalement, derrière, le ballon est perdu. Oh, c'est un bon ballon, ça! Boulder! Le but de Stengiz Under! Chaque but, c'est une explosion de joie, de plaisir, d'émotion! Chaque but, c'est une tempête émotionnelle! Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. Et regardez, la pression défensive s'accentue. Et pourtant, il arrive à tenir tout le monde à distance et à déclencher. Et avec ce but, ça fait donc 2-1 au tableau d'affichage. Et le panneau indique que nous aurons 2 minutes de temps additionnel. Bonne pression qui permet de récupérer le ballon. Oui, très bon arrêt. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. C'est reparti dans cette rencontre, le Sporting avec toujours ce but de retard. Alexis Sanchez. À l'occasion, peut-être ici. Oh, la bonne parade!
le corner. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Hunder peut-être. C'est pas faux, sans souci, par Antonio Adan. Le prochain événement à vivre ensemble, c'est bien sûr ce match de Champions League. L'OM affrontera Francfort. La coupe, c'est un football particulier. On ne sait pas ce qu'on cherche et on est rarement satisfait de ce qu'on trouve. Ah, il faut l'aider maintenant. Et le ballon renvoyé par le gardien, attention. Et cette action s'arrête là. Malinovski. Il faut tenter le coup, pourquoi pas. Et le ballon vient buter sur le gardien, très bien sorti sur l'action. Très vif sur ses appuis, un bon placement et une bonne anticipation sur ce ballon en profondeur. Le corner bien tiré. Il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire attention. Voilà, c'est un bon centre dans la surface. Un ballon perdu par l'Olympique de Marseille. Excellente pression pour récupérer le ballon très haut. Manuel Ugarte. Ballon vers Coates. Mateus Reis. Ballon récupéré en pleine surface de réparation. Sur le côté, Sengizundur, il a un petit peu de liberté. Il peut tenter sa chance. Et oui, c'est le but. Le voilà, le but qui fait la différence. Le break est fait. Quelle contre-attaque! Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Et à la fin, le plus difficile, ce n'est pas de la pousser dans le but, mais d'arriver à sentir le coup. Et avec ce but marqué, le score est maintenant de 3 buts à 1. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Mbemba. L'Olympique de Marseille n'a pas la possession du ballon dans ce match et pourtant cette équipe parvient à mener au score et imposer son rythme à son adversaire. La possession, ce n'est pas toujours le bon indicateur pour mesurer qui domine. Avoir le ballon, ce n'est pas forcément trop dangereux, évidemment. Matteo Guendouzi. Eh oui, le bon réflexe. Le corner. Le ballon sauvé sur la ligne. Et voilà un nouveau corner. C'est tiré par Payet. La déviation et c'est dedans. Avec de la réussite. Ça surprend tout le monde. Et oui, on le revoit sur ces images, avant de passer la ligne, le ballon est dévié, ça donne une trajectoire bizarre.
C'est reparti, l'OM s'échappe. 3 buts d'avance pour les Phocéens. Ah, il centre bien intercepté, ça ne donne rien. Ah, c'est dévié et c'est un corner selon l'arbitre. Corner. Attention, la défense à le ballon, mais il y a encore danger. Ouais, excellente intervention, le ballon est récupéré. Oh, la grosse frappe et ça frôle la transversale. Ah, le jeu est interrompu pour un remplacement. Mbemba. Léo Balerdi. Guendouzi. Mbemba. Attention à cette passe. Klaus reçoit le ballon. Et ça part au deuxième poteau. Gros pressing et ballon récupéré très haut. Voilà, ce centre avec pas mal d'application. Ouh, il est manqué ce dégagement. Attention, ce n'est pas terminé. Oui, bien défendu. Manuel Ugarte, bien défendu. Intervention du gardien. Voilà, le remplacement intervient. Allez, bien frappé ce corner. Et une tête finalement facile à maîtriser. Il va falloir faire beaucoup mieux pour tromper le gardien. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Allez, ballon gagné sur ce bon duel. Face à face avec le gardien. C'est terminé pour ce premier match de poule donc de cette campagne européenne et ça commence plutôt très bien avec cette victoire. On les a sentis de suite parfaitement dans le match. C'est une équipe qui dégage une forme de facilité, d'habileté collective dans le jeu proposé. Le corner. Et ça part fort avec ce but d'entrée de jeu. C'est prometteur pour ce match. Et les voilà tout de suite dans le rythme de la rencontre. Un corner qui est bien ajusté. Et oui, c'est le but. Voilà un but pour relancer ce match. Une égalité parfaite maintenant au tableau d'affichage. Oh, c'est un bon ballon ça. Ouh, Under ! Le but de Cengiz Under ! Chaque but, c'est une explosion de joie, de plaisir, d'émotion. Chaque but, c'est une tempête émotionnelle. Il peut tenter sa chance.
Et oui, c'est le but. Le voilà, le but qui fait la différence. Le break est fait. C'est tiré par Payet. La déviation et c'est dedans avec de la réussite. Ça surprend tout le monde. Et oui, on le revoit se